Hey! Hey. Alors, juste petit truc, comment vous avez dit sur la dernière fois quand on s'est quitté, pendant que deux grosses mouches qui puent sont en train de venir vers moi et que j'ai équipé la faux là, qui est quand même assez jolie, et qui a l'avantage, contrairement à celle de Priscilla, bah, de ne pas me faire du mal quand je tape. Par contre, elle fait un peu moins mal et bien sûr le saignement est pas aussi important. Et pendant qu'on était en train de revenir, donc juste à cet endroit où vous avez dit qu'on allait se Arbre retrouver, racine, là, un truc. et bah juste pendant que je suis en train de passer, je ne sais pas si vous avez remarqué, ou alors c'est moi qui ai la berlue, mais j'ai cru voir quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Et si j'ai bien Catché. raison, Ouais. regardez bien, juste là, Qu'est-ce que tu fous, planqué, il y là? a quelqu'un qui est là. Bon, par contre, je vais enlever ce truc qui fait un bruit horrible. Alors je ne sais pas si c'est le papa ou la fille, j'ai rien qui m'attaque dans le dos, et dans tous les cas. Il est en train de ronfler. Ok. Non, ça c'est le papa, vu le bruit de crapaud que ça fait, c'est le papa. Allez. Faut que je le kick un peu pour qu'il se réveille ou. Oula, je tape le pas peut-être. Oh! Oh! Ah! Oh! J'ai perdu non, il pensait, j'ai dû me laisser aller. Comment il fait pour D'accord. pioncer dans un endroit pareil? Comme d'habitude, quoi. Je suis assis, mais je suis à court de lichen médicinal pour le trajet de retour. Ça tombe bien, j'en ai une chier sur moi. C'est pas un glorieux pour un chevalier d'avoir vous demandé ça, mais vous pourriez me chercher quelques touffes de lichen. Mais j'en ai des tonnes. Tu lui files tout le temps des trucs à ce type. Génial! Vous êtes un paragon de vertu. Tant que je suis équitérien, c'est moi vous exprime ma profonde gratitude, je n'oublierai jamais. Donne un truc. Exprime ta gratitude en faisant des Tu veux trucs. encore nous filer un truc? Allez. Give it to me. Encore un anneau. Ah non. Ouais! Ah bah j'ai son boubou. Avec une pointe. Oh. Et lui, c'est le boss du jeu. Et tu vas encore croiser sa fille bientôt qui va dire: Vous avez vu mon papa? Et toujours avec son rire malsain, bizarre là. C'est tout ce qu'il dit? Je sais pas. Le marais pestiféré. Ouais, mais ça fait un moment qu'on a terminé son droit. Et. C'est tout? C'est tout ce que t'aimes bien. Véritable bourbier. Ok. Bon bah écoute, c'est tout, hein. Ok, bon bah du coup, on va faire comme vous avez dit, c'est bien. Bah, en fait, il y a toute une suite de quêtes avec ce bonhomme, ce qui Ah ouais, c'est sympa. est assez cool. Et puis, ces trucs-là sont toujours aussi. Ah, regardez! Cette bestiole. C'est quoi ce truc en fait? Je sais pas C'est trop sa ce que tête qui c'est que bouge? ça. Ah merde, je me suis empoisonné tout seul! Il m'en a pris combien? On a pris Ils 4 ou en ont 5? pris un quand même, non? Je sais pas, il aurait pu me demander combien il voulait que je lui en donne, quoi. Plutôt que de se servir directement dans mon sac, espèce de gros malpoli. Franchement. Bon alors du coup, maintenant qu'on est là, donc on avait trouvé qu'il y avait un passage secret là et un autre derrière le passage secret. Du coup, ce que je te On propose, va y c'est... aller tous les deux, ouais. On va y aller, on va faire ça en même temps. Et le problème, c'est qu'on peut pas s'invoquer, du moins pas pour le Non, non. moment. Donc la On peut pas technique... bien voir. La technique, ça pourrait être. Est-ce qu'on fait une pause ou est-ce qu'on recommence? On y va? On y va? Bah non, non, on y va, ouais, parce que on peut pas s'invoquer. Donc là, il y a un feu. Et donc là, on a un gros arbre. Et gros arbre chelou sous terre, encore une fois. Peut-être qu'on va arriver dans la forêt ou je sais pas quoi. Par contre, ça, quelle gueule! Ouh! On va essayer d'y aller en même temps. Le problème, c'est je sais pas Si si. jamais tu repères un truc, tu me dis? Ouais. Alors par contre, je vais faire un truc dont je me suis pas servi encore beaucoup dans les vidéos, à part juste quand je suis allé chercher l'arbalète. Je vais changer de sort. Au lieu de mettre la lumière, parce que la lumière c'est cool, mais quand même, je vais mettre un truc pour me faire moins mal quand je fais des chutes. Ah, pas bête. Parce que je sens qu'ici il y a moyen de tomber. On va prendre Avec chute toutes ces contrôlée. racines là, c'est vrai que ça craint, on dirait. Ça peut être pas mal. Qu'est-ce que t'en penses du truc chute contrôlée? Ouais, c'est Non. pas bête du tout, Je vais moi je peut-être. trouve ça, je crois. Peut-être en plus embraser. Ça sera fait comme ça, j'aurai plus de popo. Ça peut être cool. Embrasation. Hop là. Donc ça c'est fait. Donc maintenant, la chute contrôlée. Testons ce petit truc là. Donc techniquement, chute contrôlée, ça veut dire que j'ai me fait moins de mal dans la gueule Tombe. quand je tombe tout simplement. Oh! Ça glisse. Vous savez, j'ai les pieds qui brillent en bleu. Sympa. Marrant. Ça fait un petit bruit. Oh là, je pète des Tu vas branches. flotter quand tu tombes, c'est ça? Saut. Mec Saut. me dit saut. Ok, Saut. bon allez, c'est parti. Rien, je peux tomber dans un tronc d'arbre, mais ça sent l'arnaque, Fais non? gaffe, hein, il y a les branches qui cassent. Ouais, il y a tout qui pète, hein. Si je vais là. En fait, c'est un gros dédale avec des cadeaux partout, c'est ça, non? C'est vrai qu'on voit on voit du stuff un peu partout. Là, si je. Enfin, moi, j'ai pas vu de stuff encore, mais. Regarde à droite, là.
à droite. Tu descends un peu et à droite. Attends. Ah. Moi je vois un cadavre dans le truc. Dans le tronc. Ouais. Ah il y a d'autres trucs plus bas. Ah bah peut-être du qu'il faut sauter. Oh, putain mais ça dure 2 secondes là, je suis trop pourri, c'est tout pourri. Peut-être que tu le mets dès que tu veux sauter. Ah, je pense qu'il faut que tu sautes dedans. Oh, oh quel talent. La vache. J'ai même pas fait mal. Oh. Près du trou quand même. Anneau de Chloranti. Anneau de Chloranti, qu'est-ce que ça fait que ce truc? Anneau de Chloranti. Accès à récupération d'endurance. C'est bien. On ne sait rien des origines de cet anneau. Ancien anneau orné d'une fleur verte gravée, accès à récupération d'endurance. C'est très bien, j'ai plein de trucs pour la récupération d'endurance, mais... Nickel. Il y a un trou en dessous, mais je vois rien. Peut-être mieux descendre par le côté... Ouais. Là? Dedans ou en face? Non, en face, ouais. En face plutôt? Je sais pas. C'est bon, mais c'était juste, hein. Vous avez vu cette confiance aveugle dans les dires de Sven? Là, il y a un autre là-bas. Là, il y a un... Ah, oh, par contre, ça craint. Ça craint? Regarde, en face, juste en face où t'es tombé, je vois un mec cristallisé. Où ça? Ah, ouais. Ah, effectivement, c'est parce qu'on a nos potes qui sont revenus. C'est les machins... Ouais, mais normalement, j'ai une superbe résistance avec ce personnage... Enfin, avec ce stuff, du moins. Pour la malédiction? Ouais, j'ai une très grosse résistance à la malédiction, normalement. Ok. Et c'est quand même plus facile quand on les one-shot. Ça, je pense qu'il faut qu'on se le dise. Par contre, je vais peut-être enlever l'anneau pour regagner ça, parce que ça peut être cool. Alors, le truc qui est con aussi, c'est que j'aurais bien voulu monter en niveau dans le truc du Seigneur des Tombeaux, mais comme on l'a buté... Comme on l'a tué, on peut pas. À mon avis, on l'a un peu dans le flux. On verra ça... Merde, je suis bloqué, j'ai un... Je sais trop comment... Peut-être tomber dessus. Je sais pas comment faire pour remonter... Bon, ça sent pas le truc qu'il faut que tu refasses plusieurs fois, parce que tu peux pas prendre tous les loots en une seule tombée. Ça se peut. Ça se peut. Quoique, attends, là... C'est pas dit qu'il y a des trucs super importants, mais... Ah, j'ai trouvé un moyen de remonter. Avec plein de branches pétées. Oh là là, je suis complètement paumé, je sais pas par où t'es passé. Bon, on verra nous-mêmes, hein. On verra bien. De toute façon, je sais pas si on vous mettra les deux écrans sur ce passage. Non, parce que sur la plateforme, sera 2-3 passages. C'est pas forcément super intéressant. Jusqu'à ce qu'on trouve... Est-ce qu'on peut s'invoquer? T'as pas vu encore? Eh non, on peut toujours pas s'invoquer. Non, ouais. On peut pas. Ok, donc regarde, là. Je regarde, non, t'inquiète. Donc, si tu trouves des loots intéressants, en fait, c'est une grosse zone cadeau, en fait, c'est ça? Oh non. Oui, j'ai l'impression surtout que là, on va dans les profondeurs, mais. Fragment titre rouge. Ça fait que de descendre là, ça monte pas, hein. Ça fait que de descendre. Mm-mm. Là, il y a un loot. Merde, j'ai loupé un loot, je crois. Au niveau de derrière les espèces de trucs chelous, là, les... Y a plein de trucs, on dirait qu'il faut que tu sois sur une branche pour tomber sur une autre branche. Ouais. Voilà, mur invisible. Ouais, donc là, il va falloir faire un peu du tour. Sur les branches au milieu de l'arbre, je pense. Ouais. Et tu tombes sur une branche en dessous. Et il faut faire des beaux jumps. Ouais, je pense. Pas mal, pas mal. C'est bon. Bon, quand on a chopé le coup de main, ça va mieux. Un éclat de titanite, ça tombe bien. C'est toujours cool. Là, je reviens de l'intro. Je suis devenu un vrai singe dans toutes ces branches d'armes. Attends. Comment il marque comme un plouc? Ah, je peux pas le casser celui-là. Non? Non? Bah, laisse-le, le pauvre. Il est mort? Oh, il était là. Oh, il est cassé. Oh, c'est triste. Pas monsieur, il est tout cassé. J'ai trouvé une échelle, moi, là. Ah, une échelle. Je descends très très bas, donc si t'as pas trouvé les loots, J'avance. Il y a plein d'étages encore chelous. Ouais, c'est joli. Tout en bas, t'as des espèces de pailles et t'as d'autres. D'autres crapauds. Mais t'es allé super vite. Non, mais je vois d'ici. Ouais, je la vois aussi en la paille, mais je vois pas les. Il y a des crapauds moches là. Ah, il y a une petite scintillante qui fuit là-bas. Ah, mais il m'a repéré. Ah, c'est foutu. Ils sont mignons les mecs, tu peux pas les choper. C'est quoi ces endroits? On dirait qu'il y a des murs invisibles, Sven. Là. Moi aussi, je tape tous les murs. C'est trop bizarre ce truc. J'ai vu un autre loot en dessous, mais. Ah, si, il est là. Ah, putain, la caméra ici n'est pas forcément des plus pratiques. Il y a plein de petites satillants, même. Ils se cassent tous. Il y en a plein? Bah, il y en a plein dans cet arbre. J'en ai vu 2 ou 3, là. Mais j'ai pas le temps de les taper. Ah bah là, c'est un peu compliqué pour avoir le temps de descendre et les choper, là. Ouais, mais c'est pas grave, parce que les petites satillants, j'avais trouvé un endroit qui était cool, je crois, pour les petites satillants. Non, oui, bah, c'était le forgeron, quoi. C'est rigolo, ces petits... Petites faces de plateforme? Non, ces petits mobs... Ouais. Marrant. Espèce de lézard cristal, là. Attends, là, je passe là. Donc là, il y a un loot en dessous. Est-ce qu'il y en a un autre par là? Je pense que j'ai trouvé pour le loot, moi. Lequel? Celui-là? Bah, alors, pour te dire laquelle de branche c'est... C'est celle qui est droite.
Bah, celle où il y a du bois dessus, c'est celle-là. T'es sûr qu'il n'y a aucun mur invisible là-dedans là ? Non, non, j'ai pas l'impression. C'est bizarre. Hein. Là-bas ? Non, pas de chemin. Donc là, il y a un loot. Là-bas, il y en a un. Mais si je vais sur celui-là, est-ce que je pourrais prendre l'autre ? Merde. T'es morte ? Ne va surtout pas à l'échelle parce que j'ai l'impression qu'on peut pas revenir. Ah, il y a une échelle, si je la vois, d'accord. Ne la prends pas, ne descends pas à l'échelle. À la branche juste avant parce que j'arrive pas à remonter. D'accord. C'est la merde. Donc faut que j'essaie de choper les loots du premier coup, c'est ça ? Bah on dirait. J'essaie de faire des roulades, mais il a pas de pied, il peut pas monter. Pas de pied, pas de pied. Pas de pied, pas de pied, c'est bien connu. Bon là je vais reprendre la chute contrôlée. La mini marche de 2 cm, il arrive pas à la passer. Merde. Ton pack. Oh, ah. Oh la vache. Oh putain, bien le joué. Coup de cul. Oh le coup de cul. Oula. Oh, éclatit blanc. Yeah. Oh, le gros coup de cœur. Oh, putain, regarde, parce que je crois qu'il y en a encore un en dessous à prendre, quelque ouais, part. Ouais, j'en ai vu un, mais de l'autre côté, je crois. J'y vais pas trop rapidement. Pas trop vite. On prend son temps. Regarde bien. Là, il y en a un autre, ouais. Il y en a un là, mais il faut que je passe par là. Cette branche-là, tu crois ? Ouais. Là, je la sens bien. Ouais. Pas mal. Hein ? C'est pas mal, hein, ce truc, pour éviter... C'est un peu genre le seul endroit du jeu dont on a besoin, en fait, c'est ça ? Mais ça te fait quoi, en fait ? Ça te fait ralentir ? Non, en fait, ça fait que quand je tombe, bah, je prends pas de dégâts. C'est tout ? Ouais. C'est déjà pas si mal. C'est pas mal, ouais. C'est pas ouf, mais... Éclate, ah, mais attends, ouais, non, c'est pas celui-là à quel je pensais. Il y en a encore un autre. Oui, je crois que j'en ai vu un encore plus bas, là. Genre par là, là, qui colle le tronc, non ? Ouais. Qui colle le tronc. Je suis là pour choper... C'est où ? Je crois que j'en ai vu un là qui collait le... Ah, c'est celui-là ? Ah, il est là ! Waouh ! Non, faut que tu repasses par l'autre côté, je pense. Tu reprends cette branche. Merde, comment tu fais ? Non. Ah, c'est la merde. Ah bah, t'es foutu, là. Non, attends. Comment tu vas faire pour remonter ? C'est pas power ! C'est-à-dire que... Non ! Oh la merde ! Ah, c'est bon, je suis pas mort. Oh là 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 là. Je suis pas mort. Bon, par contre, le loot, là, c'est un peu mort, celui-là. C'est loupé, du coup. Tu l'as chopé, celui-là, de loot ? Non, j'ai pas réussi. Merde, j'ai et on peut pas remonter. Bah, on peut... J'ai pas l'impression qu'on puisse remonter. Non. J'arrive pas à remonter, moi. Donc là, ils me vomissent des trucs, mais ils sont plus très dangereux, ceux-là. Je trouve. Ça va. On leur fait très mal, non ? On fait très très mal, mais j'ai la faute de la mort, aussi. Non, mais tu... Cette bestiole qui saute dans tous les sens me gonfle. Peut-être t'as choisi la meilleure arme pour pas te sur la paille avec toi. Là. On est sur la paille ? C'est-à-dire quoi ? Qu'on a plus de sous ? Merde ! Ah, attends. Là, il y a encore des trous. Encore des trous. Et encore des grosses bestioles qui puent en dessous. Il y en a pas mal, effectivement. Il y en a pas mal. Est-ce que... Ah, il y a un loot. Il y a des loots par terre. Ah, il y a un trou où il y a un loot. Je sais pas si tu le vois. Et du coup, t'es sûr... Arrêtez de sauter, quoi. Il est là, mon loot. Je peux pas remonter, t'es sûr ? Bah moi quand je prends l'échelle, j'arrive pas à... Essaye, mais moi j'arrive pas à sauter la mini marge de 2 cm. C'est où ? Où est l'échelle ? Elle est sur le côté. Enfin, je vais te dire quel côté. C'est un peu compliqué. Ah, je la vois. Ok. Donc là il y a une échelle. Et quand t'es tout en haut, tu penses que tu peux pas reprendre le fait... Quand t'es tout en haut, t'as une autre échelle. Le loot est à main droite. Tu reprends la deuxième échelle, et c'est après, t'as une branche qui te bloque. J'arrive pas à monter. Je sais pas comment faire. Ouais... Parce que quand on est là, là ça ne sert à rien. Bah, je suis au premier étage après avoir pris l'échelle. Ouais, donc tu reprends la deuxième et tu vas voir, il y a une petite branche de merde, je sais pas comment la passer. Peut-être avec un saut, parce que le saut légèrement nous fait monter tout petit peu, mais alors c'est vraiment, vraiment petit. Coup de bol hein, que je sois pas mort, hein. Vraiment coup de bol. Surtout, ouais. J'avais pas le buff en plus. Alors je sais pas si ça enlève 100% des dégâts quand tu tombes de très haut. Bah sinon ça serait un peu cheaté, ça veut dire qu'on pourrait tomber un peu où on veut. Ouais, non, mais il doit y avoir une limite. Alors attends, quand t'es là. Voilà, c'est ça que je sais pas passer. Celle-là ? Ah, ça. Celle-là en sautant. Avec de l'élan. Tu crois ? Avec de l'élan. Ou pas. Oh, oh ! Ah bah non. Mais tu vois, mais abruti. C'est horrible, hein ? Mais abruti ! 2 cm quoi, le machin. Tu vas la prendre, ta putain de branche ! Ah, parce que le loot est en dessous, là. D'accord. Il est en dessous, là-bas, mais... Hein. Tu peux sauter d'ici ? Moi, je suis pas sûr. Yeah ! Oh, un diagonale. Bien joué. Pas mal. Alors par contre, à quoi ça sert que je revienne là ? Bah si, t'es obligé de toute façon pour tomber sur une bonne branche pour pouvoir... Là, c'est une bonne branche. Il est où le loot, là ?
Donc là, si je vais là, normalement, je reprends le même chemin que j'avais pris tout à l'heure. Ok, donc là, c'était pas mal. Sauf qu'il fallait pas que tu redescendes d'une branche, quoi. Il faut que je redescende de plusieurs branches. Non, mais t'étais bloqué sur une branche tout à l'heure, c'est ça que je veux dire. Ouais, ok. Faut pas que tu prennes la mauvaise. C'est-à-dire que je suis un peu paumé, là. Il est où, le loot? Ok, donc c'est sur celle de celle-là, la celle de gauche que je suis tombé tout à l'heure. Ouais, voilà, faut que tu restes sur celle-là, je pense, moi. Donc là, je descends. Donc soit par là, soit par l'autre côté. Non, donc, c'est pas côté. Par là. Hein. Côté. L'autre côté. Ah ouais, mais de ce côté, ça monte. Là, et puis, t'as peut-être là une branche à ce... Voilà, celle-là, peut-être. Non. Testons sur celle-là. Je sais pas, hein. Pas mal. Ouais, là, tu descends encore plus, donc c'est bon signe. Je pense que le loot est juste là, non? C'est-à-dire? Il est pas juste devant, là? Ah! Oh, bien vu, Sven, quel talent! C'est génial, j'ai Sven Tom. Ah, par contre, là, faut pas que tu te loupes, hein. En plus, il y a un... dans l'arme. Ah, je j'ai sauté comme une daube tout à l'heure d'une branche beaucoup plus haute et ça a complètement foiré. Non, mais là, je suis juste à côté. Si je rate, c'est que je suis vraiment mauvais. Je vais pas rater, je suis pas si mauvais que ça. Ah, bah si. Ah là 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 là. Ok. Bah, moi, tu sais quelle branche il faut prendre. Ok, bon, je remonte. Laissez-moi une seconde, je vais y arriver. Ouais, attends, je pense que j'en ai pas raté moi. Non. Bah, je sais pas, écoute, regarde bien s'il y a pas un truc qui brille. T'arrives, t'en es où toi, t'es redescendu? Non, moi j'en ai loupé quelques-uns, mais. Ah, je le veux. Ouais, excusez-moi, je me dépêche, hein, c'est pas si facile que ça, je vous assure. Attends, mais j'étais dessus là, merde. Peut-être qu'il faut que tu sautes. Mais c'est... Voilà, elle est pas large du tout la branche, quoi. C'est de la petite branche. Ouais. J'ai encore du petit feu de bois. Ah, t'as raison, en sautant ce passage, ça marche. Ah oui, en plus, il faut que je repasse ce passage. Ouais, c'est pas mal. Ok, en diagonale, d'accord. Bon, quand on est là, ensuite il faut retomber là, c'est ça? J'ai bien fait de prendre ce ski, là, con. C'est pour ça aussi, vous voyez, que j'avais eu envie de monter sorcier, parce que je m'étais dit que dans le let's play, ça pourrait être sympa, parce qu'il y a plein de bonnes idées, regardez, des trucs contextuels comme ça. Le fait de se transformer en peau, c'est génial! Le fait... Ah, c'est que pour PVP par contre, je pense, non? Les mobs ils te voient? Bah, je pense aussi, mais tu te transformes en. On a pas testé contre les mobs, peut-être qu'ils te voient pas? Mais non, ça serait trop grillé en plein boss, t'es derrière lui, tu prends de l'eau derrière lui, tu te barres. Imagine le truc, quoi. Pas possible. Mais le fait par exemple aussi que le truc contextuel du quand t'es dans le noir, d'un coup, tu utilises le truc de lumière, rien que ça. C'est vrai, y'a pas donne... beaucoup de jeux où on a des trucs comme des ça. Des trucs contextuels comme ça qui sont aussi marrants, quoi. Enfin, qui sont. C'est tout con, mais ça donne beaucoup de cachet au jeu, je trouve. Ok, donc là je suis là. Et donc je fais comment? Je suis paumé. Je suis paumé dans les branches. Je l'ai. Tu l'as eu? C'est quoi? Fragmentite rouge. Ouais. C'est de la merde. C'est pas grave, au moins tu l'as ramassé. Enfin, quoique, c'est peut-être rare, hein, les trucs pour monter les armes de feu, hein, parce que c'est censé permettre. C'est vrai que nous on a pas trop amélioré du coup nos machins. En feu, bah non. En magie. Bah non, parce que le feu, ça me fait perdre tout le... Ouais, ça fait perdre les bonus, c'est le ça bonus ou être dextérité. Et moi, j'aime les bonus de dextérité, quoi. Attends, y a d'autres loot ou pas? Il y en a qu'un seul. Genre là. Non, c'est bon. En tout cas, il y en a d'autres en bas, hein. Avec, ouais. Repareil des trois U. Là... Donc là, il y en a un qui est là. Je sais pas s'il faut y aller en sautant, mais je pense pas. Oh là. Oh, la belle roulade. Où est-ce que t'es passé, toi? La petite bleue, là. Alors là, je suis dans les étages. Il y en a un qui est là-bas. Oh, il y a plein de grenouilles en dessous là. Oh, double! Je suis paumé. Double. On s'y fait un double. Il y en a encore d'autres. Je retourne sur l'échelle. Il y en a mais... un qui est tombé. Je crois qu'il y en a deux qui sont tombés. Je suis coincé! T'es coincé? Ah, mais elle se suicide, moi! Elle se suicide! Ok. Donc. Oula, merde. Ah. T'as perdu beaucoup. Ouais, mais t'as encore les popos, non? Par contre, ouais, j'en ai vu un là. Je me disais bien que j'avais vu un truc briller. Donc, quand tu vas sur le bout de la branche, là, il y a sûrement un loot. Pas ça? Ah! Tu l'as vu celui-là ou pas? Au bout de la. Dans la branche, non. Paille en forme de saucisse. Non? Il y a des trous partout en fait dans la paille. Il y a un trou avec une échelle. Ouais, mais moi je veux le loot. C'est le loot que je veux. Fais ce que je veux avec mes loots et que mes cheveux. Tu crois ou pas là si je tombe? J'ai un peu peur. Ah, il est là. Ok. Donc là, logiquement, courage. Si je tombe là, soit je meurs pathétiquement, soit j'ai un loot et je suis un héros.
Ah, oh. J'ai peut-être un loot et je suis un héros. Oh putain, je suis un héros. Kisako, encore éclaté. Ouais, encore de la merde. Alors par contre, après la bonne blague, c'est quand t'es là. Comment tu fais pour revenir? Ah, quoi que, attends. Moi, je vais prendre l'échelle. C'est pas mal. Pour un éclat de titanite, je vais peut-être pas me suicider. Non, pour les éclats de titanite, c'est vrai qu'il y a peut-être pas forcément moyen de se suicider. On est d'accord. Sauf que là, j'ai fait le con. Oh ah. Oh my god, t'es où là? Oh, des champignons. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, j'arrive. Ah merde. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah mais si, on en avait déjà vu. C'est ceux dans... Oula, je suis au royaume de Mario. Je peux remonter? Non, non. Ils sont hyper balèzes. T'es mort? Ils sont balèzes. Je suis tombé tout en bas. Je suis dead. Oh là là là. Désolé. Oh, c'est chute de fou. Ah, et en plus, j'ai plus de trucs de chute contrôlée là. Et T'es pas rendu à la fin là? Non, ça descend encore. Ça descend encore. Par contre, c'est marrant parce que quand tu les tues, ils font. Enfin, plutôt un bruit de chouette. C'était très mal imité de ma part. On là, a dit un loup là, mais c'est pas grave. Là, il y a encore un loot. Quand tu gères bien sur la roulade, tu fais un truc qui est cool. Par contre, il y a plein de champignons. Ouais, et de mémoire. Contre, toujours pas invoqué en bas. Hein. C'est des violents, non? Ah, quoique, attends, ils tombent comme des venets. Me pousse pas. Ils sont mignons, mais ils ont l'air violents. Hein. Ils sont mignons, mais c'est des tout petits bretons, c'est ça? Ce bruit qu'ils font quand ils meurent. Oh, je crois qu'il y a des papas en bas. Oh my god. Quoi? C'est possible qu'il y ait papa champignon en bas? Papa champignon. Papa champignon, fais faire un bon café. Oh, oh là là. J'ai l'impression que j'ai chopé tous les trucs dans les étages. Bah mais... c'est cool, hein. Moi j'ai un loup pas mal. Oh là là, Sven. Quoi? Oh là là, double papa is coming for me because I killed his children. J'arrive. Oh, ce glissade de fou. Oh, c'est un vrai toboggan. Oh, oh mon dieu. Oh, les gros, ils ont beaucoup, beaucoup de vie. Oh, il y en a trois. On se mène. Ouais, je te crois. Oh, ils sont très, très dangereux, ceux-là. Oh là là. I can smell it. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ok. Oh. Oh la vache. Ah mais faut les taper de loin. Oh, ils font mal. Trop mal. Oui. Ne meurs pas. Non. Je meurs pas. J'en remonte, je me soigne, je prends de la magie. T'arrives pas à les tuer? Si mais... Faut y aller très prudent je crois. Because they seems to be very very not gentil. C'est bizarre comme des petits trucs aussi mignons peuvent être... assez violent. Méchant. Ils n'ont pas du toxique ou je sais pas quoi. Hein. Je sais pas, mais logiquement j'ai une bonne résistance au toxique. Je suis pas mal en résistance toxique normalement. Oh, oh non. Oh, t'es tombé. Ah non, je suis pas mort. Oh. Soigne-toi vite. Il va me tomber dessus. Champignon qui tombe du plafond. Mais t'as. T'es super costaud en résistance de chute toi. Je sais pas s'il y a une stat résistance de chute. Je sais pas. Je suis pas sûr qu'il y ait une stat résistance de chute. Mais je m'en sors bien. Est-ce que je peux avoir leur chapeau? Sven, je voudrais le chapeau aux champignons, c'est possible ou pas? Oh, ils ont une super allonge. Ah, mais en tout cas, moi, pour l'instant... Ils ont une très très grosse allonge. Ah, en fait... Attends qu'ils donnent un coup. Crapaud de merde. Je suis encore sur les crapauds, moi. Merde. Ah, pour ça que crapaud de merde. Merde. Parce que tu dis, merde, des crapauds. Y'a rien en bas. Oh, c'est du big tree, hein. Big tree. Attends-moi. Je t'attends? Non, je dis ça comme ça. Je t'attends ou j'avance? Bah non, vas-y. Je peux toujours pas poser la marque, hein. Toujours pas. Peut-être encore un truc. Oh, y'a un portail! Oh non, je suis encore tombée! T'es morte? T'es morte ou ça? Oh, je suis morte encore! Je fais quoi? Je t'attends, on se retrouve ici ou j'avance? C'est un vrai toboggan! Je tombe sur un truc, le machin glisse encore, je reglisse, je retombe sur un truc qui glisse, et encore! Je glisse encore! C'est horrible! Je fais quoi? Je passe le portail ou pas? T'as un portail? Ouais. Un boss ou... Bah, peut-être que juste après tu peux... Non, je m'attendais que ce soit un boss. Je passe pour voir si on peut s'invoquer ou pas. Oui, vas-y. Sûr? Ouais. Ah non. Ah, il y a plus... Non, c'était pas un portail de boss. Bah, je crois que si on peut pas invoquer, il y a pas de boss, je crois. Oh! Nouvelle zone. Lac Cendré. Vrai? Oh! Tu reconnais? Quoi? Oh, c'est beau. On a jamais vu ça. Mais si, tout à l'heure.
Les arbres au-dessus d'un océan? Ah oui, mais ils étaient plus gros que ça. C'est pas les mêmes? Oh, je crois pas. Avec un regard, il y a un truc doré au milieu. Enfin, blanc, non? Pas ça? Ça ressemble un peu, mais. Peut-être moi qui fabule. Ah, il y a un feu! Il y a un feu, il y a un feu, il y a un feu, il y a un feu! I saw a fire. On peut s'invoquer après ça alors. Oh! Oh, Big Tree! Avec musique très épique! C'est vrai? Très très épique la musique. On peut pas y arriver quand même, moi là. Musique qui fait peur. Oh, il y a des hommes qui font. Bon, je descends. Allez, refaites le bruit. Oh, c'est beau! C'est. Oh putain, il y a une hydre! Oh, il y a une hydre! Oh et on peut pas s'invoquer, mais il y a un feu de camp! Je vais au feu de camp! Sympa ta plage! Sympa. Ah ouais, c'est. Sable blanc? Putain, c'est chouette ici! Hein. Qu'est-ce qu'il fout là, l'hydre? C'est un monsieur? Ah, je sais pas. Je vais vite embraser quand j'y suis. Oh, la musique est trop, trop belle! Pas, mais... Ah, ça va peut-être aussi dire qu'il faut que tu te fasses tout seul. Ah bah j'ai l'impression, c'est nul. C'est un peu nul. C'est sympa ici, j'aime. Sympa ta robe. Bon bah écoutez. C'est quoi cet endroit paumé? Est-ce qu'il y a quelque chose en dessous du tronc? Du coup j'avance sans toi. J'aime bien les couleurs de l'eau et tout. C'est ouais, sympa, c'est beau. Hein. Bah écoute, j'arrive. Hein. J'avance ou pas? Ou je t'attends? Non, vas-y. Je regarde s'il y a pas un truc caché, parce que là j'ai trouvé un petit chemin. Je suis encore dans l'arbre. Ah, je suis dans un mur invisible. Ouh, c'était Just, il y a un truc qui m'a... J'ai essayé de courir, voir si ça marche. Bah ouais, mais attention, les big champignons. Oh, putain, mais c'est super sonnant, mais c'est la fin du monde ici, là. Non? C'est la fin du monde? Attends. Oh, l'hydre. Oh, elle est belle. Oh, elle est très très belle. Du coup, faut se la faire comme la dernière, c'est ça? Ah oui, c'est vrai que l'hydre dans la forêt, on lui avait coupé les têtes. Couper la tête, couper le cul. Je pense que c'est pareil, hein. Est-ce qu'elle recrache? Ah, est-ce qu'elle crache? Ah, elle avance. Ouh, elle a l'air de venir vouloir me choper sur le cax, Anna. Viens sur le sable, coquine. Oh, l'attaque à distance. Putain, l'attaque à distance encore. Ok. J'arrive au cac sur elle. Courage. Je suis prêt. Come on, baby. Ouais, par contre, il y a un trou encore dans l'eau, donc... on va attendre qu'elle attaque. Cac. Attaque au cac. Mais c'est une tortue, en fait, ce truc. Allez. Elles sont belles, quand même. Ah, elles sont belles. Allez, attaque. Un coup de tête. Coup de boule. J'aime bien les petits champignons, ils se jettent en avant. C'est trop rigolo. Ah. Ok, sympa. Oh, elle est un petit peu plus violente que l'autre, je crois. C'est vrai? Ouais, je crois qu'elle est un peu plus violente que l'autre. Ah, c'est bien possible. Ok, c'est bon, je suis au lac. J'ai peut-être pas choisi la meilleure arme. Ok. Je vais au feu. Je veux pas s'invoquer ici. Ah la vache, même à travers le bouclier, elle me fait super mal. Waouh, c'est beau aussi. Oh la vache. Bon gaffe, hein, bon courage pour l'hydre. Ça va être un peu chaud. C'est vrai? Ouais. Ok. Ah, je vais couper une tête. C'est parti. Bien joué. Une tête. Ok, couper une autre tête. Ça va aller mieux. C'est faisable. Il a deux têtes en moins. J'y vais aussi, du coup. C'est le paradis ici, un peu, non? Ouais, ou la mort, ou... La fin des cacahuètes ou... Ah, j'aime bien, je trouve ça beau. C'est faisable, l'hydre. C'est dur, mais c'est faisable. Ok. Faut être très très prêt pour qu'elle attaque au cac, j'ai l'impression. Très 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 près du bord. Mais merde. Oh, putain, mais c'est où sa tête? Allez, coquine, viens là. Ah ouais, d'accord, elle veut pas attaquer tout de suite. Faut bien foncer sur. Ah, putain. Complexifie. On va y aller un peu à la magie pour aider. Non, je sais pas si je peux enchanter ma faux. Ah, allez. Elle m'a bouffé. Ah, elle fait mal, hein. Non, mais elle t'a battu en un seul coup. C'est surtout qu'on voit rien, quoi. Ouais, on voit un peu rien, on est d'accord. Je teste des techniques un peu improbables. Je vais encore couper une tête. T'as joué. Ça va le faire.
Ça va le faire. Là. Il y a encore une tête. Allez. Une. Encore une tête. C'est bon. Prochaine fois, elle est morte. Prochaine fois. Je vais la voir, je vais la voir, je vais la voir. Allez, viens. Viens, coquine. Où est ta dinde? J'arrive pas à lui couper. Elle a plein de têtes. Tu d'où? Dans le tas. Le cou ou Tout ce que j'arrive à approcher. Ce qui n'est pas forcément facile. Il lui manque un coup et elle est morte, mais j'arrive pas. Allez. Mais merde! Oh, je peux. Allez, meurs. Reviens. Reviens. Coquine. Mais deux têtes, moi aussi. Tu vois, plus tu coupes de têtes, plus facile, je crois. C'est bon. Ouais! Tu l'as eu, bien joué. Je l'ai eu. Yeah. Tu t'en sors? Je sais pas. Quand tu coupes des têtes, ça va mieux, normalement. Écaille de dragon x2. Ouais. Trois têtes, ok. Oh, y'a un loot à gauche. Une fois que tu l'as tué dans l'eau à gauche, y a, tout à gauche, y'a un loot. Tu t'en sors? Ouais, on va dire ça comme ça. T'as pris le feu? Ouais, j'ai pris le feu, ouais. Ok, bon, c'est pas grave alors, si jamais on rate. Là, y'a un loot. Ouais. Hey, dragon. Quatre têtes. Quatre têtes. Pas de tête. Pas de tête. Non, mais c'est faisable, hein. C'est faisable, c'est faisable. Ok. Très certainement. Très certainement, c'est faisable. Là, y'a rien. Salopiote, reviens. C'est beau. Regardez-moi ce que c'est stylé ici. Et la musique est belle, c'est solennel, c'est beau, j'aime quand c'est solennel. Là, il y a des... Ça, c'est un peu la fin du monde, quand même, mais bon. Ou la renaissance de tout être et de toute chose. Ouais, bien sûr. Bon, par contre, on peut toujours pas s'invoquer, ça pue du cul. Pourquoi elle bouge? Elle s'en va? Ouais, elle fait sa mijaurée, tiens, elle fait... Elle revient. J'ai des courses à faire, je reviens. Bien sûr. C'est quoi cette grosse merde? Oh, il y a un loot là-bas. Oh, il y a encore des bestioles bizarres. Oh, il y a un loot dans le tronc d'arbre. Oh, elle m'a éjecté. T'es morte? Non, mais... Tu vas t'en sortir? Ah, je l'ai tué, je crois. Oh, bien joué. Masse écaille draconique dans le tas. Il me manque un level pour mettre ça. Je veux... Il y a un loot là-bas. Oui, tout à gauche, tu l'as vu? Ah oui, non, à droite. Oh, tout à gauche. Et tout à droite aussi, ouais. Il y en a un à l'arbre d'où on vient. Tout à droite, t'as vu? L'arbre d'où on vient, tout à droite? Attends, c'était là d'où on vient, tout à droite, il y a un loot. Là? Celui qui était là-bas? À droite, ouais, là-bas? Ouais. En face de moi? Ouais. Ok, bon, je l'ai pris. C'était une écaille? Je sais pas, j'y suis pas encore. Dans le genre ou le fragment, je sais plus là. J'aime bien, c'est joli ici. C'est beau. Tu crois que c'est dans la ça... playa? Y a pas de soleil, juste que je l'ai aimé. Bah non, c'est un ciel chelou, mais. Y a un truc qui m'étonne. Qu'est-ce qui se passe? Bah, ce qui m'étonne, c'est que. S'il y a un mur invisible dans le sable. Il va falloir taper partout dans le sable. Bref, c'est plus ça. Tu veux faire un tas de sable, c'est ça? Ah, je vais faire un château de sable. Après, je vais faire des petites tours. Un peu plein de petits trucs. Alors là, on peut pas s'invoquer. Y'a pas un truc caché dans les arbres, hein? Non, je crois pas. Beau, j'adore cet endroit. Très solennel. Je me répète ou c'est moi? Oui, je te répète. Oh, c'est bizarre, on dirait des... On dirait qu'elle a des pieds de femme araignée bizarre. On va manger, hein. Ouh, elles sont costauds. Ouh, c'est le sont... même truc que... Non. Non, non, en plus costaud. En plus costaud et avec les pieds d'une autre couleur. Hein. Sûrement c'est d'autres chaussures. Merde. Et voilà, quand on tape trop avec cette arme, voilà le genre de trucs qui apparaissent. Oh, pierre de purge. C'est bon, ça. Ouh, il y a un crâne de bestiole géante. Ah oui. Ah, grosse gargouille. Par contre, il y a la madame là-bas qui m'attend. C'est beau. Allez, viens, coquine. Snack pour beau. Oh, oh, oh. Tu as pas vu venir celui-là, hein? Ah, essaie de me donner des coups de pied. Mangez-moi, mangez-moi. J'espère mangez-moi. Que c'est pas un cul-de-sac quand on n'est pas venu la voir. Non. Hein? Allez, viens. Ce serait un peu dommage, genre. Ah, gratio. You noob. T'es allé dans le tronc d'arbre? Ah, elle donne des petites scintillants aussi. Je suis dans le tronc d'arbre, il y avait un loot. Dans le crâne, il y a un truc ou pas? C'est un crâne de quoi, ça? C'est le boss? Il va revivre? Il y a un mur invisible dans sa tête? Ou c'est un... Ah oui, non, c'est... Oui, c'est un crâne, ça, c'est certain. Ah oui, là. C'est... Ah oui, effectivement. Clairement un crâne. C'est... Par contre, il n'y avait pas un loot par ici? Je l'ai déjà pris, je m'en rappelle plus. Poisson rouge. Non, non, il est à gauche. À gauche du gros arbre. Ah ouais, effectivement. Pour pas d'invocation. Non, toujours pas. Ah, mais en fait, c'est l'arbre mana. It's
It's malafé. C'est vrai qu'il y a toujours un arbre, toujours un arbre. Mais c'est D'ailleurs, cool, ça fait mystique un peu les arbres. Des vieux arbres. Bah, attendez, regardez, Gaïa. D'ailleurs, ça vient de là un peu ton nom. Ça vient un petit peu de là, c'était un dérivé un peu à la base aussi de Gaïa. Et de Gaïa. Par contre, faut pas tomber dans le trou. Non, faut pas tomber dans le trou. Je dis ça et tu tombes dans le trou. Non, mais. Non, j'étais. Cette table est super blanche. Il y a une grosse racine qui sert à rien. T'entends la musique? C'est beau. Ah ouais. C'est beau. Donc faut pas aller à gauche de la... Ouais. Sauf pour rentrer là-bas, d'accord. Donc il y a une entrée. On est tous les deux au même endroit, c'est ça? Waouh, mais c'est très très beaucoup grand. Tu vas pas me dire qu'il y a plein d'hydres du genre... Hé, hey, mais il y a un trou dans l'arbre. Ouais, il y a un trou dans l'arbre, on peut rentrer dedans. T'es dedans? Il y a des grenouilles. Enfin, des espèces de... Est-ce qu'on fait en continu sur la plage ou... Bah non, on va plutôt aller voir là-dedans, ça peut pas être gigantesque... Gigantesque, j'y crois. On va rentrer dans l'arbre. Ah, il y a un big champignon qui pue. Hein. Ah, il donne de ses patates. Grenouille à la con. T'as vu un peu les patates qu'ils donnent, les hommes champignons? Ah, les champignons, ils sont big fat. Et puis ils ont une bonne portée, hein. C'est des petits boxeurs, hein. Puis, attends, mais on met 4 ans pour les tuer, quoi. C'est pas des caleçons, hein. J'ai dit que c'était des boxeurs, hein. Ça n'a rien à voir. Costaud. Attends, heureusement que j'ai mis ce bouclier. Hein. J'aurais pu mettre l'anneau aussi. Pourtant, ils ont l'air sympas avec leurs petits yeux. Hein? C'est des protecteurs de la forêt. On est en train de se mettre à dos tous les mecs de Sylvestre, je sais pas quoi là. Ouais, j'avoue. Ah la vache. Et y a rien là-dedans. Et lui, il nous donne une arme, tu sais. Il nous donne le chapeau. Le point de boxeur du champignon. Le chapeau du champignon. Ah, vous êtes tout mignon. C'est pas un faux mur, ça? Non, pas de faux mur. Ah, par contre, on peut monter sur la branche. Tu montes? Ouais, je vais monter. Ok. Toujours pas Saint-Hoguet, hein. Non. Relou, ça. Ah, mais là, ça monte à l'infini, non? Je sais pas. Ça passe quoi? C'est tout noir? C'est tout noir pendant une seconde, j'aime pas trop. Et sur la plage, c'était pas un... Oula, y a un... En plus, il y a une bestiole. Ça monte, là. Une bestiole qui nous attend, en plus. Ouais. Ah, bah, elle s'est suicidée. Bouh! Oui, elle fait peur. Il y a un trou de tronc d'arbre là. On a fait un demi-tour, c'est nul. Je serais tenté de faire un truc, mais j'ai peur de faire une connerie. Là, c'est où, un... là? C'est un trou de tronc d'arbre avec un cadeau là-dedans, non? C'est louche. C'est super louche. Allez, je teste, je m'en fous. Je pense qu'il y a rien, moi. Mais... Je teste. Tu crois qu'il y a quelque chose, là? Je teste. Je suis au-dessus du vide. Peut-être, Marc. Oh, quel talent! Quel talent! Bien vu! T'as vraiment l'œil hein, pour les trucs cachés. Ouais, et... Ah, si, ça... Ah, ouais. Miracle, barrière magique. Oh, waouh. I'm so cool, man, you know. Eh, bien vu, hein. Bien vu. Est-ce qu'on regarde qu'est-ce que ça fait? Barrière magique renforcée. Miracle de l'évêque Havel, le rocailleux. Ok, donc Sven, ça t'intéresse? Enveloppe le corps de solide magie défensive. Havel le Rocailleux, frère d'armes de Seigneur Gwen, était l'ennemi juré de Six l'Écorché. Il méprisait la magie et conçut des moyens très efficaces de la contrer. Le miracle n'est-il pas une forme de magie mais divine? Je dis ça, je dis rien. Non? Bah ouais, c'est... C'est toujours pas physique, c'est magie, c'est spirituel, c'est ce que tu veux. Ouais, ouais. Mais Havel, c'était un mec divin, lui? Bah, c'était une sorte d'évêque, apparemment. Ah, et on a fait le tour de l'arbre. On retourne sur la plage? Ouais, on tourne sur la plage. Oui. Écoute, on vide bien. On va s'invoquer là. Toujours pas. Non, toujours pas. J'aime bien cet endroit. C'est beau. Par contre, s'il pouvait y avoir un tout petit peu moins d'hydres et d'ennemis bizarres. C'est moi, dans ce jeu, on a vraiment tous les paysages possibles. Ouais, et une diversité qui est quand même. Ouais. Ah, il est dans son nid. C'est toujours un peu. Brumeux. Sombre et en même temps. Charmant. Il est dans son trou, l'autre. Ok. Donc en fait, ils sont beaucoup plus dangereux qu'il ne paraît. T'as fait voler toi aussi? Ouais, non, non. Pourquoi il y a des pattes jaunes? C'est bizarre. Des nouvelles chaussures. Tiens, prends ça. Non, mais ils sont hyper dangereux ceux-là en fait. Ouais, et puis les têtes de mort dans leur bouche, c'est un peu flippant quand même. Ah, lui m'a gonflé, je vais me le faire un peu à l'arbalète là. Tu m'énerves, toi. M'énerve. Ok.
Et bouf. Tiens, électricité sur les animaux marins. Crustacés de merde. Merde, c'est ça. Tiens, mais meurs. C'est infini, cette plage, là. Mais celui-là, il est plus costaud que les autres, non? Non. Non. Ouais, je me souvenir qu'ils étaient aussi résistants, les autres. C'est beau. Oh, on va dans l'Armana. Est-ce que dans son trou, il y avait un cadeau? J'ai pas regardé. Je suis allé voir, et là... Il n'y avait pas de cadeau. Est-ce qu'une hydre va arriver sur... Attends, regarde, c'est beau. Mais là, on entre dans la forêt, là. Ouais. Plein d'arbres. Dans la forêt, plein d'arbres. Je sais pas, peut-être qu'on va trouver le dieu cerf. C'est vraiment mystique, cet endroit. C'est mystique, c'est beau. Ça m'émeut. Ça fait... C'est joli pour mes yeux. Je t'attends, hein, au fond, là. Ok. Ok, ok. On est pas mal. Ouais. On est pas mal. C'est la forêt. Voilà, t'as vu, là, il y a plein... Oh. On entre dans un truc, là. Ben. C'est la jungle. Eh, hey, c'est la jungle. Mais non, ça doit être un magasin de vente de baies vitrées. La forêt. Oh, la blague de merde. Je sais pas, regarde, on voit des... Des lianes. Des lianes dans les arbres. Ouais, retardant dans les arbres. Des singes, ouais, qui vont nous tomber sur le cul. Ouh là, il y a un gros truc, là-bas. Quoi? Ouh, il y a une chauve-souris géante. J'ai avancé un peu. Oh, il y a un feu devant une chauve-souris géante. Ah, c'est peut-être pas une chauve-souris. C'est une statue ? Ah non, non, non. C'est un dragon ! C'est un big fucking dragon. Oh my god ! Ouais, mais il est devant le feu, il est pas agressif, c'est impossible. Si on pique le feu, peut-être qu'il nous agresse. Oh, qu'il est beau ! Quoi ? Il est beau. Sois sympa. Please. Moi je me repose vite, hein. Vite, jumpo. Ouais, se reposer. Oh, oh. J'ai fait pipi dessus. Non ? C'était... Il est poilu. Faut aller lui parler ? Il est dans son nid. En fait, c'est un gros corbeil. Priez, priez les dragons éternels. Éternel. Oh, c'est un nouveau serment. Il est poilu. On prête serment ? Voix du dragon. Partout. Allez, c'est parti. Prêtez serment. On est des dingues. Et des dingues. Des dingues, des dingues. Vas-y, dragon. Allez, vas-y. Pierre de tête de dragon, œil du dragon. Serment établi. Offrir écaille dragon. Ah bah non. Si. Prêtez serment, c'est déjà fait. Écaille du dragon. Je teste. Pour voir. Une écaille ? Ouais. Bah, il se passe généralement rien si on n'en donne pas plusieurs, je crois, non ? Bah ouais, mais je sais pas, mais de toute façon, si jamais on en manque vraiment, on peut toujours aller en récupérer ailleurs. Genre les dragons bleus, ils repopaient dans la veille des drakes, non ? Ouais, ils repopaient, ouais. Mais ça donnait les écailles du dragon ? Ouais, peut-être. Ouais, donc il y a toujours moyen, je crois. Attends, je voudrais regarder. Bon, bien sûr, vous avez compris, de temps en temps, on va alterner des petites phases de... Mais je vous rassure, à chaque fois qu'on a farmé en off, on n'a jamais gagné de niveau. Ça a toujours été pour essayer de diversifier un petit peu le gameplay et de vous présenter d'autres armes. Ah, tu fais le tour, il y a sa queue derrière. Ah, peut-être que si on lui coupe sa queue... Ah, peut-être qu'il donne un truc. Ah bah non, c'est un mec de serment. C'est où déjà ? Qu'est-ce qu'on a eu ? Du stuff ? On a eu... On a eu quoi ? Merde, un objet, plutôt. On a eu un œil du... Du... On a eu... Non... Ah, trouvé. Œil du dragon. Envahi monde écaille de dragon. Permet de trouver un détenteur d'écaille de dragon et d'envahir son monde pour le piller. Seuls les assermentés en ont l'usage. Oh, c'est marrant. Si quelqu'un se retrouve en fait avec des écailles de dragon sur lui, on lui pète la gueule. Le pauvre. Excellent. Et tu lui piques son écaille de dragon, tu lui voles son sac et tu... Hop là, comme sa grand-mère. Un objet lié aux apôtres de la transcendance des adorateurs de dragons anciens, tout ce qui vit est invulnérable et les dieux ardents ne dérogent pas la règle, les apôtres cherchent à atteindre un autre niveau d'existence. Cool. Mais t'as eu un autre truc, je croyais. Ouais, juste en dessous, pierre de tête de dragon. Pierre, imprégnée de la puissance des dragons, propre au rite. Permet de gagner une tête de dragon ou de cracher le feu, hein? Les apôtres de dragons cherchent à atteindre un autre niveau d'existence, changeant en dragon ancien. Ce rituel n'est qu'une étape, mais seule la mort permet de se libérer de ses effets. C'est très, très... Cool. Énigmatique. Énigmatique. Permet de gagner une tête de dragon et de cracher le feu, mais comment on fait ? Est-ce que je lui coupe sa queue ? Non. Poilu sa queue. C'est bizarre. Hein. C'est tout ? C'est un cul-de-sac ? C'est un cul-de-sac. Mais il nous dit rien d'autre ? Bah non. Je vais prier avec lui. Il lui manque une corne. Ouais, il lui manque une corne. Combien on a d'écailles de dragon ? 7. 7. Peut-être moyen de lui enfiler une pour déconner. J'en ai 9. Allez. Oh. Ah, y'a rien d'autre ici. Ok. Oh.
bon. Serment bah, d'allégeance approfondie. C'est parfait comme ça. Et du coup, on est quoi? Maintenant, on est voix du dragon. Oh, c'est sympa. Les écailles de dragon, ça sert à quoi déjà? Améliorer les armes draconiques. Draconiques. Donc sont... on s'en fout, je peux peut-être tout donner. Bah non, moi je m'en suis servi par exemple pour améliorer mon épée de magie de site, quoi, c'est plutôt cool. Je vais peut-être essayer l'objet là. Apparemment c'est un truc que tu mets comme ça. Je teste. Tu crois que c'est ça la tête de dragon? C'est une pierre ça. Bon je teste. Je peux pas l'utiliser. Utiliser on peut pas. Faut peut-être pas avoir de casque. Parce que si c'est un truc qui donne une tête, peut-être pas avoir de casque. C'est ça? Non, permet de gagner une tête de dragon. Ah, j'ai trouvé. Pour enlever le casque. Le problème, c'est que je suis très moche. Enlever le casque. Regardez-moi ça. Fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Hein. On l'avait jamais vu son chapeau. Et regarde. Ben, on le regrette pas. Oh putain. Oh my god. Ça ressemble pas trop à un dragon. Non, on dirait plutôt un loup-garou, non? Non, bien un dinosaure. Oh. Oh, excellent, regarde. Hein? I'm speeding fire like a dragon. Ah. Oh. Autant que je veux. Ah ouais? Attends, si je laisse appuyer, il se passe quoi? Oh. Ah, je suis un... I'm a mais freaking lost flame. Je suis un putain de lost flame. Excellent. Je vais peut-être pas le faire trop près du dragon. Non? Et si je veux l'enlever? Ah bah tu peux pas là, ah, là. Non non non. Quoi? Comment j'enlève? Tu peux pas? Non. Hein? Tu peux pas l'enlever? Comment je fais? Ah non mais je reste pas avec ça jusqu'à la fin du jeu. Parce que c'est cool mais... Comment on l'enlève? I don't know. Regarde, je viens de prendre une popo. Ah je peux voir des popos par ma gorge. Cette pop là. Ok. Écoutez, on va chercher en off. Attends. Je savais pas. Je vais tester un truc. Je vais me TP. Si je me TP, j'ai gagné l'accendré ou un truc comme ça. C'est obligé, non? Peut-être. On a tout pris ici. Si tu lui parles, s'il vous plaît, ma... délivrez-moi de ma tête. Écoute, attends, on va voir. Ah non, je peux pas lui parler. S'il te plaît. Les. J'en peux plus. Les femmes ne me parlent plus. Je me reconnais plus dans le miroir. Mes cornes poussent tout le temps, ça me fait mal au nez. C'est peut-être pas pratique pour dormir. J'ai pété toutes mes casquettes. Attends, écoute. Ouais, je me casse et puis on va. T'es foutu. Non. Je suis sûr que ce feu-là. Non, non. Attends, on va tester un truc. Je vais aller à la paroisse des morts-vivants. Délivrez-moi du mal. Peut-être que les PNJ vont m'agresser. Oh, un dragon. Un dragon. Chopez-le. Un dragon avec des fringues. C'est super bizarre. Attends, je vais essayer sur des ennemis au moins. Par contre, ouais, il y a un problème. Hein? Comment je l'enlève? Peut-être qu'en me déco-reco, je le perds, ou il faut que je meure, ou un truc dans le genre. Alors là, franchement... Écoute, on va tester les deux. Je vais perdre une humanité, puis on va le croiser. On va tester. Si je peux plus... Attends. C'est pas ouf. C'est pas le truc le plus violent du jeu pour le moment, mais... Mais il faut s'habituer. Est-ce qu'on peut cracher du feu tout en étant derrière son boubou? Oh, c'est marrant quand même. Marrant quand même. Oh tiens, un casque. T'es peut-être foutu, peut-être que tu l'as greffé. Hein. Non, c'est fini. Je regrette. Ah, peut-être que... Merde, je l'ai toujours. T'as changé de casque? Oh. Quoi? Y'a quelqu'un? What the fuck? Ah mais c'est l'autre! Mais moi j'ai jamais ce que vous avez fait pour moi. Mais... Je fais des trucs partout. Ouais, pour Vince et Nico. Ouais, tu vois, merci, jamais assez. Bah donne-moi des trucs. Enlève-moi ma tête de dragon, s'il te plaît. C'est Réa de... qu'on a libéré. Réa de Torolum. Si seulement je vois trop un moyen de vous aider, file du... Enlève-moi mon... Aide-moi à enlever mon casque. C'est que dans l'art des miracles. Ah, mais je m'en fous de l'art des miracles. Bah. D'accord. Compétence pour elle, vous êtes utile. Je suis enchanté de pouvoir vous aider. Peut-être parler de miracles. Ouais, mais miracles. Ah! Prêtez serment? Apprendre remote! Oh mon dieu! Prêtez serment à quoi?
Je vais pas renoncer au serment. Attends. Ah si, peut-être que si tu renonces. Ouais, mais non, 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 attends. Perdre ta tête. Peut-être avoir un lance-flamme plus balèze en donnant plus de points ou autre. En prendre les mots. Prier. Bon, d'accord, ça c'est fait. Ensuite, acheter objet. Bénédiction. Ok. Soigner. Retour. Force. Soin majeur. Colère des. Oh là, colère des dieux. Waouh, c'est quoi ça? Force primaire de force crée une puissante onde de choc. Colère des dieux était une légende épique qui survécut au temps et s'intégra à la force moderne. Cette forme primaire de force émet une onde de choc qui inflige des dégâts aussi. Hein, c'est bon ça. Barrière magique, je peux le racheter, mais je l'ai déjà. Et elle vend un talisman à de la mort moelle genou. Et quand je lui parle, obligé par une vermine du nom de Pat. C'est ainsi qu'il rejoint les rangs des carcasses. Pat, c'est pas le mec que j'ai défoncé qui m'a poussé avec un coup de pioche. C'est mon manque d'assurance qui leur ont valu ce destin funèbre. Funeste. Pardon, oui, peut-être conscience de ma faiblesse. Petrus, c'est qui Petrus? C'est un copain à Petrolab? Petrus, c'est pas le mec qui est au sanctuaire du cheveu qui reste à glander là? Ouais, c'est possible. Non, je sais pas. Bon, bah du coup, c'est cool. Qu'est-ce qu'on fait, Sven? Je serais tenté de te proposer un truc aussi pendant qu'on est en solo. Yes. Est-ce qu'on va au sanctuaire de la lune noire? Vite fait. Ah, oui. Que je trace pour voir. On peut se taper vite fait là-bas, ouais. Ouais. On va tester vite fait pendant qu'on est dans le solo, comme ça on continuera sur le géant de feu la prochaine fois. Yes. Alors, attends, je vais juste redescendre. Ça me perturbe par contre pour la tête, là, il y a un problème. Ça valait le coup. Attendez, peut-être que tu changes de serment, hein, ou quelque chose comme ça. Merde, je suis bloqué jusqu'à la fin du jeu avec ça. Attends, téléportation. Est-ce que j'ai lag descendre ou un truc comme ça là? Eh non. Non, tu déconnes. On peut retourner comme on veut. Ah si, dragon de pierre. Où ça? En dessous. Dragon de pierre. Hôtel du Seigneur des Tombes qui a rajouté, donc ça c'est cool. Et du coup. Dragon de pierre, ça doit être ça, je pense. Du coup, ouais, je vais aller donc maintenant à Tombeau de la Lune Noire. Si je suis avec un autre serment dessus de la gueule, ils vont peut-être pas être très très contents. J'avoue. Bon, de toute façon, là on pourra jamais revenir s'invoquer vu qu'on a déjà terminé. Donc là. Là, il se passe rien. Par contre, peut-être que si je mets l'anneau. L'anneau qu'on a looté. L'anneau de Lune Noire, truc mûche. Celui-là, là. Attends, je vais peut-être équiper ma tête de dragon, parce que sait-on jamais, que je puisse cracher du feu, ça serait cool. Anneau, c'était lequel? Séance de lune noire. Ah! Ok, donc ça marche. Oh! C'est joli, ça! Salut, je m'en vais! c'est-à-dire que là... Cool, passage secret! Portail. Ennemi! Et... Quoi? C'est normal que je puisse poser ma marque? Poser ta marque de l'autre côté? Mais je peux poser ma marque ici. C'est pas normal, non? Si, c'est normal. C'est normal? Et oui, c'est normal. Ah oui, je peux me faire invoquer par quelqu'un. Oui, c'est normal. par contre, ta marque ici, ça c'est bizarre. Et là? Ça c'est bizarre, par contre. Ça veut dire quoi? On essaye de voir... Oh, il y a un tapis. Regarde si c'est un cul-de-sac ou pas, déjà. Il y a un tapis. Qui est le tombeau du grand seigneur Gwen? C'est le portail qui me parle. Si vous réellement les perceptions du soleil noir, oubliez votre orage. Respectez cette nomination et agenouillez-vous devant moi. Tu vas t'agenouiller devant un portail gris? Piège incroyable droit devant. C'est un piège. Ça pue. Genre si là c'est un trou. Je peux soit m'agenouiller. La fumée? Je fais quoi? J'essaie de t'invoquer? Ça marchera pas, je pense. Ah, je m'agenouille. Je veux bien essayer, mais... Disciple du soleil noir. Vous avez fait un long voyage, alors écoutez bien. C'est-à-dire... Monsieur ou c'est une madame? Tu parles à un nuage de fumée, c'est... Ouais. Mon père Gwen... Ah, c'est un fils de Gwen. L'homme qui ira punir impunément. Je m'engagerai à vous protéger en vous plaçant sous l'égide du pouvoir de la lune noire. C'est sympa. Serment de la lune noire. Merde. Il y a plein de serments. Je fais quoi? Aucune idée. Je dis oui. Mais si à chaque fois qu'on prend un serment, ça nous donne des trucs, c'est sympa aussi. Ouais, je dis oui alors pour avoir le cadeau. Ah ouais, il s'y donne un cadeau. Allez, cadeau. Oh, avec la tête de dragon, il y a un problème. Non? Oh. À nous, serment de lune noire, orbe, œil bleu. Voilà maintenant une lame de la lune noire. C'est trop le bordel sur les serments là, sur cet épisode. Ouais, j'avoue que là. Une seigneur au nom de soleil. Trahit tout le monde. Offrir sous. Ah, souvenir de représailles. Ah, mais c'est. Peut-être serment.
Ok. Et du coup, je passe ? Je viens ou pas ? Bah écoute, on va peut-être essayer de s'invoquer avant de passer le portail pour voir. On teste ? Je regarde. Ah, mais il me faut l'anneau. Il te faut l'anneau, mais tu l'as normalement, non ? Je sais pas si je l'ai. Bah écoute, on va regarder ça. Je regarde juste, il m'a donné un truc. Un anneau. C'est quoi ? Anneau. C'était quoi ? Bon, c'est pas celui-là. Réponds à l'appel de Gwendoline, le soleil noir. Anneau conféré à tous ceux liés par le serment de la lune noire, de la lame de la lune noire, répond à l'appel de Gwendoline, soleil noir. Soleil noir, ça pue un peu, non ? Ça fait un peu genre, nous sommes des anarchistes, non ? Gwendoline, très consciente de son physique frêle et repoussant, crée l'illusion d'une sœur, Guinevere, pour l'aider à garder Anne Orlando. Oh ! Quoi ? Donc en fait, c'est le vrai. Guinevere, c'est une fausse ? C'est une illusion de lui ? Non ? Gwendoline, très consciente de son physique. Si cette vérité est à nouveau exposée au grand jour, elle ne serait considérée que blasphème. C'est-à-dire que si je passe de l'autre côté, il n'est pas content parce que je vais voir sa vraie gueule. Et qu'en fait, il est très moche. Oh, ça me rappelle comme deux gouttes. Guinevere n'existe pas. Guinevere est une illusion. Attends, mais ça rappelle comme deux gouttes d'eau pour ceux qui ont vu Golden Child, l'enfant sacré du Tibet, la madame avec des serpents, et que quand tu tires le rideau, en fait, elle est très 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 moche. Et il fallait pas le faire parce qu'elle est pas contente. Ouais, mais après, elle est pas contente. Pas contente. Et j'ai eu un autre truc, mais je sais pas ce que c'est. Une orbe bleue. Donc en gros, si tu passes le portail, tu... Je passe ton ? Tu vas te faire tataner ? Parce qu'on va voir Guinevere, mais la vraie ? Je sais pas. Objet de jeu en ligne. Permet d'envahir le monde du joueur via le registre du coupable et de le vaincre pour gagner un souvenir de représailles. Seuls les assurmontés en ont l'usage. Ces ors mystiques sont remis aux lames de la lune noire, les chevaliers de Gwendoline, le soleil noir, et leur permettent de servir les dieux en relant justice pour eux. Sympa. Oh, vous voyez que ça vaut le coup de jouer en ligne, franchement. Ouais. Eh bah dis donc. Bon bah du coup, il nous reste à choisir. On va essayer de se retrouver pour voir si on peut s'invoquer là. Ok. Et puis on verra. On s'arrête là ? À toutes. À toutes.